Alors, comment tu vois? Tu représentes vivement toute la région de l'Ouest, tout ça. Oui, dis un peu. Dans le Je me nomme à l'état civil, je me nomme Jomalé Clément. Mon nom d'artiste au Bénéga, c'est Souli Système, originaire du Cancouli. D'accord, tout à l'heure, on va tous les deux, tu dois t'inquiéter pas. Dans le mariage, tu es là, tu es lui, il s'est retrouvé parce que son mec, il a trouvé. Donc, j'ai retrouvé un peu les gens qui faisaient la nuit, tout ça. D'accord, donc on va écouter tout à l'heure dans une petite rubrique. On va se marier un peu dans la rue. On va pour le faire vivre avec le mari d'un peu. Alors voilà, c'est toujours le mandat pour tout. Alors je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ce week-end. Bon, là, je vais pas croire à toi tous. Non, en fait, la comédie m'a sauvé. C'est la vérité que le meilleur monsieur au monde. C'est-à-dire, je pensais que les corps à vie sont venus me rappeler. Je ne sais pas quoi faire. Pour me soulever comme ça, pour me jeter dans le tableau. Après, il a commencé. Ah, donc c'est un tout mieux. Les côtés, on ne peut rien faire. Là, pour monter, vous n'avez rien vu encore. Je n'ai pas dit. En même temps, le corps a dit tellement ils étaient choqués, ils ont commencé à rire. Et puis, ils m'ont flagué. Moi, j'ai eu des filles de sang pour moi. Ils disent non, les filles vont faire pour toi et moi. Que j'ai bien eu. Dis-moi, Yako. Pardon, il y a super. Pas de Yako, non, mais là, j'ai récidivé encore, j'ai répété la comédie. C'est-à-dire, ils ont pris les matraques là. Au moins, je vais dire ça va. Donc, eux, ils ont commencé à rire dans les carreaux là, ils n'ont pas pu me chicoter. Mais ils étaient tristes. Parce qu'il y a un vrai beau moment qui passait. Et puis, il a dit, mais t'es bête. C'est ce jour-là, il a vu que l'humour a fait parler un bobo. Le bobo a dit, t'es bête. Il était content, parce que grâce à moi, Mousse, pour la première fois, il était bobo, il a tout dit un mot. Ça fait un miracle. Voilà, un miracle. Voilà. Donc, il était là. Et ils ont dit, bon, comment on ne peut pas te chicoter, tu nous fais rire, tu nous fais les trucs. Bon, ce qu'on va faire, le corps a dit que là, la Seigneur Yakuba, tu fais quel métier? Il était un coiffeur, malheureusement. Voilà, moi, j'ai mis le coiffeur de monsieur Yakuba. Eh, dites-moi Yako, pareil. Dites-moi Yako. Yako. Il y a un coiffeur policier là. Les 7 à minuit. Il t'a tué aussi ton front. Qu'est-ce qu'il y a pour voir? Tiens! Tiens, il a commencé à travailler. Il doit tomber dans ma clé. Eh, général, tu as besoin de carrière. Il est souffrant comme ça. Dites-moi Yako. Oh, je suis pas. Bon, Souli, tu as fait un petit coup de vous, hein? Oh, bonjour à vous, s'il vous plaît. Je te parle, tu sais, tu es béni. Le Yakuba, déjà, tu es béni. Oui. C'est pas ça. Je n'étais pas né Yakuba, franchement, déjà, il me fait quelque chose. Ah, voilà pourquoi je suis partout où je passe. Fier. Ma langue, je suis fier de parler ma langue partout, mais tu vas être blanc. D'accord. Vraiment, on aime bien cette même. Tout à l'heure, j'ai mis une phrase, tu vois. On aime bien comment prononcer les choses là. Tu vois, là, pour tout. Non, c'est inquiété, mais moi, je ne suis pas là. Celle-ci, là, je relève ma traque même. Même mieux. Ma mère, elle est ici, je suis là. Exactement. Dès que j'ai mis une phrase, je vais pas en retourner. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. Souli. Voilà, ton frère, tu es vrai, tu vois, il dit Yako. Franchement, il dit que c'est la faute du policier, la tête du policier qui fait qu'il a souffert. Oui, on doit lui dire Yako. Parce que chez nous, on dit 18 montagnes. Alors qu'il y a plusieurs, il y a d'autres même. Ah, mon frère, c'est une des montagnes habitées là. Voilà. D'accord, moi, je te remercie beaucoup. Alors, les gars, il faut qu'on parle un peu avec l'autre équipe du jour, parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire sur la discussion avec l'équipe. Alors, tous les. Dis-nous, comment tout ça commence? Dans quel cours tu te retrouves en train de chanter? Et puis, tu es une star, ton fils, alors tout le monde te connaît. Dis-nous, comment ça commence? Merci beaucoup, mon frère. Moi-même, d'abord, quand il s'agit de la musique, je suis né dedans. Voilà. Mon père adore la musique, la maman aussi, la même chose. Et c'est pour vous dire, c'est pas facile. La musique, la vie moderne, c'est pas facile. Nous, aujourd'hui, on a décidé de valoriser nos cultures partout, dans le monde entier. Et c'est notre choix. Et donc depuis enfant, c'est un lieu à oui, ça a commencé même au chant. On va labourer le chant, je pousse ce qu'on peut faire, c'est pour chanter. Donc, je vois même les doigts, ils me disent, bon, ok, même si aujourd'hui là, tu dois aller avec eux. Tous les systèmes, tu dois pas rester marié, c'est pas. Je suis encore petit, mais je suis obligé d'aller avec eux pour chanter pour eux. À quel moment tu prends cette carrière au sérieux, ça a augmenté après tes chansons, à mon cas, toutes les prestations. D'accord, d'abord, depuis le village, je viens de Gand. À Biakouma, j'ai commencé à Biakouma,
Et après, en 2012, je suis venu à Abidjan. J'ai mon papa qui m'a fait venir ici, mon tonton, et la femme aujourd'hui de Douarcelle. Et arrivé ici, et là j'étais bon. Et c'est pour vous dire encore, après la musique, là, j'ai fait la mécanique automobile. Ok, d'accord. J'ai un garage d'accord. Automobile. Donc, malgré ça, en tout cas, ça me donne une passion. C'est une passion. Quand tu fais ton métier, tu fais tout ça. Voilà. Voilà. Moi, j'ai fait la remarque que le peuple de l'Ouest est très fan de la danse. Ça allait chanter bien, mais vous allez danser aussi. Parce qu'un exemple, il y a votre collègue, Denis Sor de Mans, qui est à Abidjan. Soit qu'il le connaît. Il a très bien chanté. Denis Sor de Mans, c'est notre frère. Merci beaucoup. Mais c'est ça, il faut l'encourager. C'est pas facile. On a toujours l'encourager aujourd'hui. Denis Sor, on se. En tout cas, il fait la fierté du peuple. La fierté vraiment. Moi, je suis fier de lui. C'est mon frère. Mais là, vous dansez si doux, ça ne casse pas. Ça me casse. Non, mais tu sais, tu sais qui est, tu viens du temps. Ah, mais là, le montant est un peu les quoi. Alors, comment s'organise ta carrière? Est-ce que comment tu peux juger le niveau que tu as? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu entends encore des choses qui t'ont à venir? Ok, quand je vois aujourd'hui mon passé et mon présent, je suis en train de regarder aussi dans le futur. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai encore à dire. Je suis mon propre auditeur, je cherche encore des auditeurs. Voilà, je vais faire encore plus loin pour mon camarade et tout. Donc, je peux dire merci à Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Un artiste, ou bien un album, deuxième album, aller au Pulida, ce n'est pas facile. Donc, je dis gloire à Dieu. Ça va. On attend nos élus, on attend tous nos cadres pour nous accompagner, c'est tout. Justement, je voulais dire que. La musique traduite moderne souvent est très basée sur l'apport que le cadre de la région apporte en termes de mécénat, en termes de soutien. Est-ce que toi tu bénéficies du soutien des cadres de la région? Est-ce qu'ils sont vraiment avec toi et ta compagnie? Bon, je ne suis pas dit on me soutient financièrement, mais franchement dit, je dis merci parce qu'ils sont avec moi, voilà, sur les réseaux sociaux et sur les chaînes télé. Je dis merci si on m'applaudit. Je sais que ça va venir avec le temps. Mais pour l'instant, ça va. Travail, voilà, je travaille. C'est que tu travailles là, plus vite. Voilà. Et du passage aussi, je veux dire un grand merci aussi à le père Ivaris Yaké. Voilà, depuis 2019, voilà. On m'a soutenu aussi, voilà, avec monsieur Bruno Jésiné. Ouais, en fait, moi, depuis petit, j'ai beaucoup aimé la langue de Touba, mais bon, il n'y a pas pu parler. Les gens disent que c'est comme mathématiques, que c'est difficile à parler et tout. Qu'est-ce que vous répondre à cette question? Parce qu'on dit quand il y a des gens qui veulent parler, c'est comme s'ils ne sont pas là. Moi, je dis c'est l'envers. Non, vous comprenez, on donne directement à cette question-là à Yacouba. Qu'est-ce que tu veux dire de la langue de Touba? Comment tu la trouves? Tu sais, cette langue-là. Oui, merci. Qu'est-ce que tu prévois pour le futur, ta carrière, qu'est-ce que tu attends des gens qui ont besoin de soutien, est-ce que tu as des projets, parfois ta musique, tu as voilà, vu un peu ton pays, ton support, où est le thème? Oh, je pense à beaucoup de choses, mais dans la vie, c'est Dieu qui décide tout. Moi, j'ai la volonté, voilà, et je sais qu'avec Dieu, le reste va bien. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup de choses à préparer et très bientôt, on va vous raconter. Est-ce que il y a une association ou un collectif des artistes? Ouais, non? Des artistes, je ne sais pas. Il y a une association des artistes du Tampou, dénommée Association des artistes du Tampou. Voilà, qui fait partie. C'est parti. Voilà. C'est bon. De toute façon, merci beaucoup, merci, mon frère Tony. De lui, tu sais ta chaîne, tu penses que tu passes quand tu veux, tu as des choses à nous présenter, tu dis ceci, on sera là, tout ça, parce que MTV, on ne sait pas si la part belle, qui est plus bien, qui vient de la ville, mais la petite même, il doit même pour la soutenir, parce que la fille de terroir, c'est ce qui préserve nos traditions, nos petits. On ne va pas vous laisser comme ça, on va vous offrir une deuxième prestation de l'artiste, c'est maintenant avec quel titre déjà? Giatan, c'est
C'est une tante de chez nous, la tante de Guédier. Ah, c'est une tante de chez nous, la tante de Guédier. Et ça, c'est l'or que le masque, quand la couche des masques. Ah, là, la couche des masques. Le majeur dit, on va le plateau. Il y a pas de rien, puis la couche. D'accord, on va laisser le plateau à mon père Soudi et puis pas sa femme. Pour faire bien temps. Bien temps. Pas du jeu. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci Marie Lartou. Bonjour, le plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Restez connectés sur LTV en un instant.